16, et si on parle du Christ qui va faire, et ils vont prier, mais on dit 6 jours après. 6 jours après, ça signifie quoi? Ça signifie 6 jours avant, Jésus avait annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. 6 jours avant, Jésus avait dit à ses amis, voici que nous allons à Jésus. Selon la logique humaine, et c'est ce qu'on prêche par-ci, par-là, la logique humaine. Ah, vous croyez que les enfants de Dieu passent toujours de succès en succès? Il leur arrive aussi de faire l'expérience de la souffrance, l'expérience de la douleur, l'expérience de l'échec. Aussi, alors vous avez beaucoup de choses à couvrir et tout, et vous passez de classe. Et à Satan, comme il avait dit aussi à Satan, quand il a été tenté au désert, arrière Satan. Expérience, je dirais, des moments difficiles. Nous en savons quelque chose. Mais aujourd'hui, que de vos propres dit, Jésus, j'ai confiance en toi. Moi, je parlerai d'une confiance totale, d'une confiance aveugle qui nous crie. Et quand nous recevons de lui, il nous renvoie vers les autres, il nous confie une mission. Alors, le travail nous attend. Il faut prendre soin des autres. On demande d'être capable d'une grande générosité. Nous lui demandons de nous couvrir du sang précieux de ce qui nous réunit aujourd'hui. Bénissons sa présence qui nous apporte une très grande espérance. Il a... Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je suis à l'église ce soir, mais qui se soigne à la parole, et qui se réveille.
Malheureusement, nous avons invité membres de la famille pour le monde et à la poursuite de notre programme si les techniciens, la technique est faite avec nous. Cheers.
Thank you.
soit dans la case de la terre. Yeah.
partir, je dois partir. Je dois partir sans vous le prévenir. Samba, président de l'Union nationale de la presse congolaise, Vito Kinshasa. Présidente de la Fondation
On lui remet Kabila et F. Maman Olive Lembe Kabila, présidente de la fondation Olive Lembe Kabila et elle. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Saint-Denis d'Itens. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, nous vous disons merci. Merci parce que depuis le 23 février 2023, vous avez toujours été à nos côtés. Nous n'allons pas ici nommément citer toute personne, toute membre, famille qui ont bien voulu nous apporter une assistance d'une manière ou d'une autre. Nous allons, dans la foulée, dire merci à Maman Olive. Sincèrement, merci pour tout ce que vous avez fait. Nous disons merci à Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que toute sa famille. Merci pour votre assistance. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas parce que vous êtes membre de cette famille. La belle famille, ainsi que tous les beaux fils et les belles sœurs, nous vous disons merci. Nous savons tous, pour ceux qui ne savent pas, papa Jean Paloukou a souffert. Il a souffert. Et pour lui, en ces jours, c'est une délivrance. Nous disons merci pour cela, parce que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je voulais dire un petit mot à mes nièces et neveux, Anthony, Michaud, Julie, Armel, Mireille, Cass, Nadine. Au nom de votre maman, Yamarie Bouwila, nous vous disons merci. Parce que vous avez assuré à votre papa tout ce dont il avait besoin. Les soins médicaux. Vous étiez à ses côtés. Vous lui avez donné tout l'amour. Merci pour cela. Je voulais souligner quelque chose de plus particulier. Un merci à Cass, que c'est le fils. Je vous demande d'applaudir frénétiquement, je vais vous dire pourquoi. Papa Jean est tombé malade. Il a souffert pendant très longtemps. Et son fils, Kasserek, Kass, a décidé de demeurer à ses côtés. Il a renoncé à tout avantage, à tout ce qu'un jeune garçon de Bandal peut prétendre avoir, aller en Europe, aller en Afrique du Sud. Mais le gars est resté. Il a même retardé son propre mariage. Il a renoncé à vivre. Parce qu'il voulait assumer le rôle d'un enfant, d'un fils à côté de son père. Ça, c'est du jamais vu. Et je le remercie pour ça. Cass, ton papa est parti heureux. En te regardant le dernier jour, il voulait te dire merci, il ne l'a pas dit. Et nous te le disons aujourd'hui, publiquement, merci. Tu es un enfant béni. Amen. Je voulais, mes frères et sœurs,
rappeler ce que disait un écrivain, Alfred de Musset, qui disait: c'est quelquefois en perdant ceux qu'on aime qu'on sent combien on les aimait. Et Monseigneur Bossuet, que l'on connaît, d'ajouter: quand Dieu efface ce qui s'apprête à écrire une autre page, étant donné qu'il est et reste le seul maître des temps et des circonstances. Papa Jean, même si ce n'est qu'un au revoir, vous avez déjà gagné l'autre rive, qui est notre point de ralliement, nous tous, qui que nous soyons, tôt ou tard, sans exception aucune, d'une manière ou d'une autre, nous y arriverons et nous allons vous rejoindre là où vous allez. Aujourd'hui, Papa Jean, puisque vous avez réalisé avec droiture la raison de votre existence sur Terre, reposez-vous en paix. Maintenant que votre dépouille va prendre le chemin de la nécropole, lieu de votre repos éternel, maintenant que vous méritez ce repos dans la félicité éternelle, acceptez notre voix. Adieu, Papa Pablo. Que Dieu Tout-Puissant, qui vous rappelle au banquet de sa miséricorde, fasse alors que de là où vous êtes, vous puissiez davantage veiller à vos enfants, à vos petits-enfants et surtout à votre famille. Nous requérons l'Éternel qui vous a servi, que vous avez servi, que votre dépouille qui a servi d'habitacle pendant votre course terrestre soit restituée à la terre et à son Créateur. Adieu, Papa Jean Hugues Gaël Paloukou, Caputo. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Merci beaucoup. À présent, que nous allons nous diriger à la nécropole. De notre très cher Papa Paloukou Caputo, Jean-Claude Gaël, sont priés de faire leur entrée parce que nous voulons commencer la cérémonie relative à son inhumation. Merci. Oui.
Première dame honorable, chers frères et chers frères et amis, nous allons devoir nous mettre tous debout pour accueillir solennellement, dignement et ce pour la toute dernière fois, la documentaire de notre autre cher papa, Paloubou Kapoutou, Jean-Guigues Gaël. Pardon. Il est resté là, voilà qu'il est parti. Il mérite des hommages de nous, la métropole, notre intéressé, c'est ce qui justifie donc cette cérémonie en son nom. Si de l'autre côté ou ailleurs, il n'y a pas de considération pour nos disparus, sachant qu'à la métropole, notre intéressé, c'est le respect du moment, puisque le monde doit être respecté. J'ai donc devoir introduire ce mot d'accueil relatif à l'inhumation de papa Paloubou Kapoutou Jean-Yves Gaël, notre très cher, par cette citation qui nous dit ceci, je cite, « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons menée. » Fin de citation, c'est d'après Nelson Mandela dans « Un long chemin vers la liberté ». Nous sentions émus par ce respect, cette reconnaissance et cette peine qui nous rassemble aujourd'hui très cher et de sécher nos larmes et de le garder bien vivant en notre cœur. Rien n'est perdu, tout ce qu'il a pu nous donner, bien avoir à l'esprit que l'amitié, l'amour, eux, ne meurent jamais. Chaque petite graine de ses entourages de supporter cette séparation. J'espère que pour moi, vous porterez en vous les souvenirs vivants. 4 octobre 1948, dans les secteurs de Batangui, territoire de Lubero et les Tours. Voilà partir ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en quittant une vie au quartier de Sengou, dans la commune de Bandalungwa, ni à la sortie du kit. À partir de ce jour, il vient de changer d'adresse et de commune. Son corps reposera désormais ici à la métropole de Kinshasa, et cela dans la commune de Lancelot. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre prochain. Allée 4, au numéro 35 de la rue de Renouveau, le tout dans la commune de Lancelot. Donc ici, chers familles, parents et amis, et même par accessible durant toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 20 décembre. Même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h, et lesquelles visiteurs sont gratuites. Cela pour tous nos décideurs ici, à Benzale et de l'autre côté, à Kipoko, puisque jusque-là, la métropole, entre intéressés, n'a que deux sites, ici à Benzale et de l'autre côté à Kipoko. Une fois de plus, chers amis, par exemple, plus de ça, on nous et pour nous présenter notre conseil d'administration, M. Georges Ferdinand, à sa dernière remercie. Bon retour chez vous et surtout, excellent fil de journée. Merci. Papa!
Est-ce qu'il y a un candidat dans la vie? Vous allez modifier la numéro 7. Il faut qu'il espace pour la forêt. Allez, jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à notre frère Jean-Hugues Gaël Paloukou de reposer en paix dans ses tombeaux jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Une fois que vous le pouvez, rendre visite à notre cher papa Paloukou, Jean. Un dernier geste de revoir les fleurs. Si la famille a un mot, elle peut. Tout ce que je peux dire, Daddy, papa, repose en paix. We love you. And we continue to love you. Oh, t'aimes beaucoup, papa. Tu es nommé dans nos cœurs. Daddy, I love you so much. Pour changer de situation, la vie, c'est comme ça. This is the new era. Papa, we love you.